meilleures astuces de beauté pour votre peau et vos cheveux grâce à l'exercice physique. Nous libérons les toxines de notre organisme et nous oxygénons les cellules de notre peau. C'est une habitude très saine pour prendre soin de la santé de votre peau et de vos cheveux. Généralement, nous nous préoccupons de la santé de notre peau et de nos cheveux, car ils représentent une part importante de notre apparence physique. Depuis des siècles, nous savons qu'il est important d'apporter des soins quotidiens et une bonne nutrition à nos cheveux et à notre peau pour les renforcer face aux facteurs qui les affaiblissent et qui accélèrent leur vieillissement. En réponse à ce besoin, l'industrie cosmétique a développé de nombreux produits, traitements et techniques qui ont pour objectif de contrer les dommages du temps et d'améliorer l'apparence physique de tout un chacun. Cependant, il existe des alternatives naturelles qui valent la peine d'être prises en compte, car elles jouent un rôle fondamental dans la régénération de nos cheveux et de notre peau. Elles peuvent notamment prévenir les principaux problèmes qui les affectent. Vous voulez en savoir plus? Des smoothies pour fortifier vos cheveux, vos ongles et votre peau. Utiliser de l'eau froide. Les bains à l'eau chaude sont très relaxants et plaisants, mais ils ne sont pas la meilleure option si vous souhaitez profiter d'une belle peau et d'une chevelure resplendissante. En effet, la chaleur de l'eau provoque de la sécheresse, détruit les huiles naturelles et rend la peau plus sensible face aux facteurs qui la menacent. En revanche, l'eau froide agit comme un tonique naturel, idéal pour maintenir la fermeté de la peau et pour conserver le pH naturel des cheveux. Évitez de vous exposer au soleil. Le fait de s'exposer au soleil pendant une période prolongée peut avoir des effets dévastateurs pour votre beauté, car les rayons UV détruisent et altèrent vos cellules, causant parfois des dommages irréparables. En effet, ils peuvent provoquer des brûlures et des taches qui peuvent entraîner un cancer de la peau, si elles ne sont pas traitées. Quant aux cheveux, les rayons UV éliminent leurs huiles naturelles, et ils les fragilisent et provoquent irrémédiablement leur chute. Dans tous les cas, il est important d'utiliser une bonne crème solaire avant de s'exposer, et de réaliser un traitement réparateur après avoir passé un moment au soleil. Hydratez-vous avec de l'huile de coco, l'un des ingrédients naturels idéaux pour hydrater et régénérer la peau ainsi que les cheveux, et sans conteste la très populaire huile de coco. Elle contient de la vitamine E, des acides gras essentiels, ainsi que des propriétés antibiotiques et antioxydantes qui nourrissent, réparent et apportent une bonne hydratation à tout votre organisme. En l'appliquant régulièrement sur vos cheveux et votre peau, vous parviendrez à diminuer l'impact de l'action des radicaux libres sur ces parties de votre corps, tout en prévenant leur vieillissement prématuré. Adoptez une alimentation équilibrée. Même si nous n'y faisons pas toujours attention, notre alimentation se reflète sur tout notre corps. Si vous souhaitez disposer d'une meilleure apparence physique, il est fondamental que vous adoptiez une alimentation plus équilibrée, en consommant des aliments riches en antioxydants, en vitamine E, en fibres et en minéraux. La consommation d'aliments riches en graisses saturées, en sucre et en farine raffinée, se reflète sur tout votre organisme, et peut provoquer de nombreuses maladies chroniques. Buvez des jus et des smoothies pour disposer d'une bonne santé et d'une apparence physique optimale. Il est fondamental de soutenir le travail des organes purificateurs du corps, responsables de la filtration et de l'élimination des toxines qui s'accumulent dans l'organisme. Les jus et les smoothies de fruits et de légumes sont riches en nutriments et en composés antioxydants, qui stimulent la désintoxication du corps pour prévenir la survenance de diverses maladies, ainsi que pour améliorer l'apparence de la peau. Parmi les ingrédients les plus conseillés, on retrouve les légumes verts, la betterave rouge, la carotte, la pomme, les myrtilles, le citron, le gingembre, la fraise. Faites de l'exercice. L'exercice physique est l'une des meilleures habitudes pour conserver la santé, la beauté et la jeunesse de votre organisme. En transpirant, vous allez libérer les toxines accumulées et oxygéner vos cellules, dans le but de les réparer et d'améliorer la santé globale de votre peau. Faire au moins 30 minutes d'exercice physique par jour permet de contribuer à une peau plus belle et plus douce, ainsi qu'à des cheveux plus résistants. Manger des acides gras oméga-3. Les acides gras oméga-3 sont des nutriments essentiels que notre organisme ne peut pas synthétiser par lui-même, et qui doivent donc être absorbés à travers la consommation de certains aliments. Ils sont en relation directe avec une bonne santé cardiaque et avec un meilleur état de la peau et des cheveux. Lorsque notre corps n'en absorbe pas une quantité suffisante, cela peut provoquer une chute des cheveux et un assèchement de la peau.
Parmi les aliments riches en oméga-3, on retrouve les poissons bleus, saumon, truites, sardines, entre autres, les huiles végétales issues de graines de lin et de sésame les fruits. Sec, n'oubliez pas de lire 5 conseils clés pour perdre du poids et ne pas en reprendre. Buvez beaucoup d'eau, l'eau est la meilleure boisson qui soit pour notre organisme. Elle joue un rôle déterminant dans la santé de notre peau et de nos cheveux. De plus, elle est également très importante pour notre apparence physique, buvez donc entre 6 et 8 verres d'eau par jour.